PEGI 18. Je viens pour le contrat. Ah. En fait, on a perdu une de nos patrouilles de nuit. Des hommes expérimentés, armés jusqu'aux dents. C'est sûrement un monstre. Sûrement ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Si vous aviez vu les cadavres. Vous les avez retrouvés dans quel état ? J'ai jamais rien vu de pareil. Et pourtant, des macabées, j'en ai vu. Vous avez entendu parler des voyageurs qui meurent dans le désert de Zerikania ? À cause de la chaleur. Ben, c'est à ça que ressemblaient les cadavres. Parlons de ma récompense. Mes services ne sont pas gratuits. D'accord, ça me va. À condition que le travail soit bien fait. Où sont enterrés les corps ? On les a brûlés. Mais allez voir notre Toubib. C'est lui qui les a vus en dernier. Vous le trouverez sur les quais. Je vais voir ce que je peux faire. On vous paiera. Les gars et moi, on a réuni un petit pécule pour une récompense. Attention. Il n'y a rien de... Il n'arrivera jamais. Mais quoi ? Il y a un monstre sous mon lit. Venez tous! C'est vous, le médecin? Que puis-je faire pour vous? J'enquête sur les gardes morts. Il paraît que vous les avez autopsiés. Ce sont leurs amis qui vous envoient? Bien, je vous écoute. Il paraît que les corps étaient desséchés. Vous croyez qu'ils ont été tués par un monstre? Pas moi. Les corps étaient desséchés, c'est vrai. Mais ça pourrait tout aussi bien être un mage en colère. Ils sont morts de déshydratation ? Pas à proprement parler, non. Mais je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. Vous avez trouvé des marques de griffes ou de crocs sur les corps ? Des crocs, non. Des griffes, pas tout à fait. Plutôt des griffures, sans doute récoltées auprès des catins du quartier. Où a été trouvé le dernier corps ? Dans une ruelle, sur le chemin entre les quais et le bordel. On l'a retrouvé là, au milieu de la nuit. Il faut que j'aille y jeter un œil. Merci. Je vais aller voir l'endroit où on a retrouvé les corps. Bonne chance. Oh là ! Quel phénomène ! Maman ! Il est mort. T'es où ? Hé, hey, toi ! Alors ? Rien de nouveau. Hé ! Oh là ! Je l'ai pour point pour un vanniqué. On pourrait... C'est ici qu'on a trouvé les corps. Il y a peut-être des indices. Des bottes cloutées de garde. Ça ne m'avance pas. Des empreintes d'enfants. Tout le monde est passé par ici ou quoi ? Des traces de sabots. Un cheval ? Non. J'ai jamais vu de cheval qui marchait sur deux pattes. À demain les achats que vous pouvez faire aujourd'hui. Ah ! Si tu Turluc, tu payes.
indices mènent chez Kat l'estropié. Une fiole de parfum, vide. Du parfum cher, trop cher pour ce quartier. Jaco, c'est toi le plus vieux, alors dis-nous, ça fait quoi une cata au juste? Bah, papa dit quelque chose que maman veut pas. Ma mère dit qu'elle serait ici. Alors c'est pour ça que tous ces messieurs ils vont passer par. C'est scandaleux de laisser de pareils scélérats entrer dans la ville. Prends garde, sorceleur. C'est là. Il est pas bien, lui. Où suis-je? Tout va bien? J'étais dans la maison. Celle-là? Je crois, oui. Pardon, mais j'ai la tête qui tourne. Charmé par une succube? Faut que j'aille voir à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il fout ici, lui? T'es con ou quoi? Tu vois pas que c'est un sorceleur? Il piste sûrement des monstres. Venez en aide à un nécessiteux. Feu éternel, protège-nous. Et refile la chasse aux monstres. Qui es-tu? Les sorceleurs, ça te parle? Tu es venu me tuer? Pas sûr. Pourquoi avoir tué ces gardes? J'ai manqué de prudence. Je me suis laissé surprendre. Ils voulaient me tuer. Je n'ai pas eu le choix. Quoi, c'est tout? Tu ne vas pas me ressortir le couplet habituel sur les humains et leur haine du monstre incompris? Je n'ai pas pour habitude de mentir. Ni de tuer sans raison. Tu dois quitter la ville. Et si je refuse? Je vais devoir te tuer. Oh, je déteste le changement. Quelle idiote j'ai été de m'être laissé embusquer comme ça. Je vais devoir mentir. Dire que je t'ai tué. Il me faut un trophée. Très bien. Prends ça. Et aussi ça, en remerciement. Même si je suis furieuse après toi maintenant, je finirai bien par me calmer. C'est bien, Ablette. Ah, j'ai
Oh, oh. C'est là-bas. T'as des yeux de serpent. Oh. Tu l'as eu. J'ai une curieuse idée. Mmh. Les gardes ont été tués par une succube. Une succube ? Un Novigrad ? Comment ? La flamme du feu éternel protège la ville. Il faut croire qu'elle vacille de temps en temps. En tout cas, la succube ne fera plus de mal à personne. En voici la preuve. Beau travail, sorceleur. Et voilà pour vous, comme promis. Adieu.